Depuis le soleil de l'indépendance jusqu'à présent, on a pratiqué la politique politicienne. Mais jusqu'à présent, on est à l'heure où nous sommes. On n'a pas avancé du tout. Donc, il faut laisser cette politique politicienne-là et opter pour une autre manière de faire la politique. C'est ce que j'opte. C'est-à-dire que, en fait, comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'une politique qui permet au moins l'acteur politique, en même temps de faire la politique, mais il est utile à la communauté. Il pose des actes de développement il offre des emplois aux gens, même ne serait-ce que des emplois qui permettent vraiment de gagner leur vie. C'est cette manière de faire la politique là. Mais aussi, j'ai mon mot à dire par rapport à l'actualité politique, comme je suis en train de le faire. Maintenant, euh, au sein de nos langues, c'est ce que c'était ma position, et je pense que j'étais euh, j'étais un peu seul dans sa dans cette position là. C'est-à-dire que quand euh, la majorité avait décidé qu'on voit Wadou Oussonko, moi j'ai dit, Niet. il fallait vraiment sauvegarder cette citoyenneté-là, au sein de ce cadre-là, pour euh, montrer aux, aux autres politiciens que ils ont failli à leur mission. Et désormais, il y a un cadre de jeunes qui peuvent vraiment, euh, je ne sais pas, euh, prendre la main ou bien le flambeau pour euh, la euh, doléance des Sénégalais. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire au sein de non lanc et de Arnon dont je suis signataire. Mais ma position, c'était ça. Voilà, donc, c'est-à-dire que ne pas faire appel aux politiques. Parce que ces politiques-là, cette classe-là, il y a des gens qui disent qu'ils euh, incarnent un nouveau type de, de politique, mais ils font la même manière. Quand On voit leur acte, c'est la même manière de faire la politique. Ils sont anti système Je pense qu'en en fait, euh, à l'image de. Il y a des gens, quand même, il y a un leader qui est derrière certaines personnes au sein de non Langue. Et euh, aussi, en fait, euh, parfois c'est paradoxal quand on incarne un anti-système et on est nourri par le système et on fait on encore ce que le système fait. Donc c'est paradoxal. Donc il y, y a des leaders qui se disent anti-système, mais et pourtant ils sont. Nourri par le système. Au sein de ou, ou, oui, mais au sein de nos langues. Donc, il attise euh, certains membres de nos langues, mais non langues, comme je l'ai dit, c'est ouvert à tout le monde. On ne peut pas le fermer, mais on essaie quand même de se battre pour sauvegarder ces citoyens-là, de, de ne pas faire appel à aucun politique vraiment, et de, de faire appel à notre expertise de jeunesse et le patriotisme, en fait, qui est vraiment notre fer de lance pour vraiment porter l'adolescence des Sénégalais. Ma position, c'est quoi C'est toujours le, le radicalisme, donc le, le slogan « Rétufal Maki » et montrer à, toujours aux Sénégalais qu'on a fait une erreur vraiment de, de mettre Maki sall au sommet de, 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 de l'État du Sénégal. Donc, les prochaines élections nous sommes nous ce que nous sommes en train de faire on, dans le sur le terrain on est en train de sensibiliser les gens et euh, aussi les gens nous rejoignent donc chaque jour que dieu fasse les gens nous rejoignent sur cette logique là de vraiment montrer aux sénégalais vraiment il est temps d'abréger euh, cette gouvernance de Sall. donc c'est celle c'est la unique solution vraiment pour abréger la souffrance des Sénégalais. C'est-à-dire que le départ de, de, de ce régime là, c'est la seule solution pour abréger la, la souffrance des Sénégalais.